Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 2 octobre, il est 17h33. Je viens de finir mon ménage, donc aspirateur et serpillière. Voilà, j'ai chaud. Tout d'un coup, la chaleur est revenue. Voilà, donc j'ai dû ouvrir le volet de ce côté-ci pour que ça sèche bien avec un petit coup de vent, que ça sèche bien mon appartement et qu'il aère à fond. Donc d'habitude, le volet est rarement ouvert, hein, mais. Le volet est rarement ouvert, mais on fait avec. Donc voilà. Donc écoutez, je bois mon café. Voilà. Donc je voulais juste ouvrir le vlog. Il y a Jeanne qui essaye de m'appeler. Je la rappellerai après. Voilà, je voulais juste ouvrir le vlog pour vous dire que voilà. Je me suis couchée. Il était 4h du matin environ. Non, bois 3h30, 4h du matin. Je n'ai pas emballé de fondant. Je dis que je devais en emballer. J'en ai pas emballé. Voilà. J'ai fait un peu à mon rythme, voilà. 4h du matin, je commençais un peu fatiguée, donc je me suis couchée. Voilà. J'ai pas cherché à comprendre, je me suis couchée, puis ça m'a fait pas de mal d'avoir une bonne nuit de sommeil. Je me suis quasiment pas réveillée. J'ai dû me réveiller deux fois, non, une fois pour manger. Parce que j'ai mangé un pain au chocolat avant de me coucher, parce que j'avais un petit creux. Et j'en ai mangé un, il devait être midi. Enfin, je me suis réveillée vers midi, ou 11h30, midi, je sais plus. Et après, j'ai émergé, il était 16h30. Donc, non, 16h20. Je suis restée un peu dans le lit, puis après, j'ai sorti les chiens, puis j'ai nourri les cochons d'Inde. Mais ma crevette, j'ai nourri les cochons d'Inde, puis après, j'ai fait mon ménage. Sorti les poubelles, voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à faire. Je l'ai fait. J'ai un peu chaud, donc la douche sera pas de refus ce soir. Faut que je change de façon de pyjama. Donc voilà. Donc écoutez, là je bois mon café, je vais rappeler Jeanne et je vous dis à toutes. Il est minuit 23. Je suis désolée, j'ai pas repris le vlog depuis tout à l'heure. Tout simplement, j'ai eu Jeanne au téléphone, on est quasiment resté presque 2 heures au téléphone en plusieurs fois, en deux fois, on est resté presque 2 heures au téléphone. Là, je viens de passer 1 heure en cam avec Jenny. Voilà. J'ai regardé un peu des vidéos sur YouTube. J'avais vu le weekly vlog de des Addictions by Anne et une vidéo produit terminé de Cassie Cosmétique. Voilà, donc j'ai regardé ça. Donc voilà. J'ai fait ça, puis après, ben, entre le téléphone, la cam et tout, j'ai mal aux dents. Voilà, encore une fois. Elle n'aurait jamais dû toucher cette carie. Je n'avais pas du tout mal avant qu'elle la trifouille. J'avoue que je suis un peu en mode zombie. Voilà, je viens de manger il n'y a pas longtemps. Je me sentais pas bien. Aujourd'hui, en tout ce que j'ai mangé, c'était un pain au chocolat vers midi et 4 cracottes Nutella vers 20h. Non, 19h, 20, ouais, 19h, 19h, 19h30 ou 20h, je sais plus. Là, je me sentais vachement dans le mal, je me sentais vachement pas bien. Donc, j'ai quand même fini mes restes. Donc, mon riz et ma viande de kebab que j'ai mis à congeler ce qui me restait. J'ai mis à congeler ce qui me restait cet après-midi. Et là, j'ai fini le reste de la poêle. Donc, il me restait assez pour un repas. Voilà, ça suffisait largement. J'ai quand même mangé une cracotte en complément, voilà. Par contre, j'ai tellement mal aux dents, mais tellement mal. Tout à l'heure, j'avais un méga coup de barre, mais c'est dû à une hypoglycémie, je pense, parce que bah, j'avais faim et voilà. Donc j'avais une hypoglycémie assez monumentale, même si je me contrôle plus, parce que de toute façon, tout est périmé chez moi, mes bandelettes, mes aiguilles sont périmées, donc je ne peux plus contrôler ma glycémie, voilà. Donc voilà. Je ne sais pas quand je bosserai de nouveau. Voilà. J'ai encore énormément de taf, hein, mais j'attends jeudi pour passer ma commande chez mon fournisseur. Voilà. J'attends de passer ma commande chez mon fournisseur où je peux commander ma cire, mes fragrances. La cire, je prendrai que 5 kilos. Parce que j'ai encore peut-être 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos, peut-être, je sais plus.
J'ai encore beaucoup de mes 20 kilos que j'avais achetés, j'en ai encore pas mal. Ouais. Donc je pourrais prendre que 5 kilos quand même au cas où. Bon, les chiens, s'il vous plaît. Je vais quand même prendre 5 kilos au cas où, voilà. Parce qu'après, j'ai énormément de... Excusez-moi, vous tombez, mais le bas shootait le téléphone. J'ai énormément de réassorts à faire. Voilà, j'ai aussi tout ce que je dois imprimer, les CLP à imprimer, à emballer, tout ça. Voilà, j'ai encore tout ça à faire. Ma fille. Donc voilà, donc j'ai encore du travail. Moi, j'ai du travail, donc... J'ai 2 mois de travail intense, voilà, environ. Donc, faut que je sois prête pour Noël. Voilà, faut que je sois prête pour Noël. Voilà, donc faut pas que je me laisse dépasser par les événements. Mais j'avoue que, ouais, en ce moment, j'ai envie d'hiberner. Je suis fatiguée. Je sais pas pourquoi, j'ai une grosse baisse. Putain, les chiens, une grosse baisse de morale, une grosse baisse de fatigue. Je suis désolée, il y a les chiens qui arrêtent pas de se taper dessus. Et en fait, moi, j'ai une grosse baisse de morale. Je suis pas bien. En plus, mes douleurs dentaires ne m'aident pas. Voilà, ça m'aide pas. Je suis carrément shootée au médoc. Oui, j'adore ça. Non, c'est juste que faut que j'essaye de les faire passer à douleur. Là, la dernière fois que j'ai pris un médicament, c'était de l'Xprime, donc du paracétamol et du tramadol. Voilà, j'ai pris ça tout à l'heure. Donc, je sais pas ce que je peux prendre pour calmer encore. Je vais pas reprendre un tramadol, c'est trop. Ça ne me fait aucun effet. Je connais les effets secondaires. Pour moi, ça n'a aucun effet. Donc limite, je vais reprendre un paracétamol codéiné. Voilà, puisque ça fait plus de 6 heures que j'ai pris l'autre, l'Xprime. Donc. Bon, ça suffit les chiens. S'il vous plaît. Donc voilà. Là, j'ai Muffin qui est assis sur ma hanche. Désolée, les chiens ont décidé. Melba a décidé d'être chiante ce soir. T'as laissé d'être casse-couille. Tu peux laisser Muffin tranquille. Il a pas envie de jouer. Oh, Muffin, tu pues de la gueule. Il a pas envie de jouer. Fais dodo avec tes pluches, toi. Fais dodo avec tes... Non! Laisse-le! Laisse-le! Donc voilà. Écoutez, excusez-moi pour cette interlude animalier. Attendez, je suis même plus... Donc j'ai pris ma douche tout à l'heure, comme j'ai quand même pris ma douche. J'ai changé de pyjama. Voilà. Muffin, pousse ta grosse truffe, s'il te plaît. Oui, tu pousses ta grosse truffe, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Tu pousses ta grosse truffe. Oui. Donc voilà, donc en tout cas, désolé, il y a Muffin qui s'incruste toujours sur la vidéo. Il ne sait pas être discret, ce chien. Donc voilà, donc écoutez, là franchement, j'ai pas grand-chose à raconter. Le vlog sera vraiment naze. Si je le publie, voilà, ça se trouve, je le publierai pas parce qu'il sera trop nul. Pour l'instant, j'étais en cam avec Jenny, mais elle a plus de batterie. Elle m'a dit qu'elle me rappellerait quand elle aurait rechargé son téléphone. Moi, je vais continuer à regarder mes vidéos sur YouTube. Voilà, j'ai continué à regarder mes vidéos sur YouTube. Puis voilà, donc là, je regardais donc. Le swap calendrier de l'avant entre Elodie Moitou et Gwen LRT. Faut que j'aille prendre un médoc, j'ai trop mal aux dents, je ne tiens plus. En plus, ça se répercute bien toute la mâchoire là. Alors que c'est la dent de sagesse, hein. Elle n'aurait pas dû la toucher. Elle n'aurait pas dû la toucher, j'avais pas mal du tout. Et en fait, elle l'a trifouillée, maintenant j'ai trop mal. Elle n'aurait pas du tout dû la toucher. Et là, franchement. De toute façon, faut que j'aille me laver les dents, mais je peux pas me laver les dents tant que j'ai une douleur comme ça, parce que la brosse à dents va me tuer. Donc, je vais attendre de prendre un médoc que ça passe avant de me laver les dents. Voilà. Viens là. Viens là. Non, je t'ai pas aidé de mettre un coup de cul dans le PC. Pris oh. Oui ma crevette, oui ma crevette, oui ma crevette, oui non d'accord, tu peux t'éloigner pour te gratter, tu vas taper le PC sinon. Oui, mon bébé. J'ai un port USB qui ne marche plus sur mon PC, je suis un peu deg, j'ai essayé de mettre le pilote à jour mais il veut plus lire ma souris.
Donc je sais pas. Donc j'ai changé de port USB. Heureusement j'en ai deux, j'en ai trois en tout. Donc j'en ai deux d'un côté et un de l'autre. Mais je sais pas pourquoi celui-là ne veut plus fonctionner. Donc voilà. Après j'ai remarqué qu'il buguait un petit peu de plus en plus. Donc voilà. Donc est-ce qu'il n'y a pas un truc qui s'est dessoudé ou. Bon, je sais pas. Attendez, je suis en train de remettre le collier à Melba. Oh ma crevette, ma grenouille. T'es ma grenouille? T'es ma grenouille? T'es ma grenouille ou ma crevette? Attention, attention, attention. Oh oui. Oh oui. Non, non, pas mon oreille. T'es ma grenouille ou ma crevette? Ma grenouille? Ma grenouille? Non, t'es ma crevette. T'es ma petite crevette. Ma crevette à l'ail. T'es ma crevette sauce thaï. Crevette sel poivre comme au chinois. Les préférés de maman. Avec les cuisses de grenouille aussi. Regardez comment elle est belle. Regardez comment elle est belle. Regardez comment elle est moche. T'es moche? T'es moche, mon chien? Non, si je te lâche, tu vas l'embêter, Muffin. Tu vas l'embêter, Muffin. Tu vas l'embêter, Muffin. Je te connais, hein. Regardez comment elle est moche. Regardez comment elle ziote, Muffin. Faut qu'elle aille faire chier, Muffin. Mais vraiment. Il ne veut pas jouer avec toi. Arrête, ça a rien de lui mettre ton jouet dans la bouche, il veut pas jouer avec toi. Elle essaie de lui enfoncer le jouet dans la bouche pour qu'il joue avec elle. Non mais sérieusement quoi. Cette chienne est pas sortable. Elle est en train d'essayer de lui mettre le jouet au fond de la gorge, quoi. Melba, il ne veut pas jouer avec toi. Tu couillon, tu sais plus quoi faire avec elle. Mets-lui un coup de patte. Non, pas toi. Mets-lui un coup de patte, ma fille. Vas-y, mets-lui des coups de patte. Défends-toi, mon bébé. Défends-toi. 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 Je t'ai payé de te défendre pour venir voir maman. Hein. Ah bah non. Oui, fais câlin à maman. Viens faire câlin à maman. Viens faire câlin à maman. Non, sans me déshabiller, merci. Oui, mon petit couillon, donne un mot. Oh oui, t'es malheureux, toi. T'es très malheureux, ça, maman. Si maman est à l'autre bout du lit, t'es malheureux. J'ai un petit coup de barre là, j'avoue. Après, en même temps, j'ai pas bu de café depuis 17h. Non. Depuis 18h, j'ai pas bu de café. J'ai fini mon café à 18h. C'était mon café de la veille que je finissais. J'en ai pas refait aujourd'hui. Donc, peut-être pour ça que j'ai un petit coup de barre. Bon, écoutez, je reprends à tout à l'heure. À toute. Il est 1h50 du matin. La rage de dents est passée. Voilà. Donc j'ai pu me laver les dents. Voilà. Je me suis foutu un grand coup de brosse à dents. Là en plein sur la petite peau, là, vous savez, la petite. Je sais pas comment on appelle ça. Le truc qui sert à rien, là, le frein. Je crois qu'on appelle ça un frein. De la lèvre. Je me suis mis un grand coup de brosse à dents. Ça fait très mal. Donc j'ai pu laver la dent de sagesse sans avoir trop mal, ça allait. Ouais. Les dents sont propres, voilà, au moins. Sans avoir trop mal. Je suis encore sur mes vidéos calendrier de l'Avent, j'ai bientôt fini. Là, c'est la dernière vidéo d'Hello du mois d'août. Après, on attaque Gwen LRT et après, j'aurai fini la playlist. Voilà, j'aurai fini la playlist. Donc voilà, donc je regarde la playlist. Je sais plus ce que je voulais dire.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, je sais plus. J'attends le. Nous sommes le 3, j'attends le 5 pour faire les courses. Donc le 5 au matin, quoi, dans la nuit du 4 au 5, je passe. Quoi, la nuit du 4 au 5, je fais mes courses vers minuit et demi, 1 heure. Mes courses en livraison au champ. Et il faudra que j'aille tirer de l'argent vers 7 h du matin, 8 h. Si je dors pas, parce que ma mère veut faire les courses assez rapidement, donc pas trop tard, donc avant midi. Donc il faudra que j'aille tirer de l'argent, que je puisse tirer de l'argent. Et qu'après, je paye aussi donc mon dossier de surendettement. J'ai eu un petit arrangement avec mon conseiller. Donc je dois quand même payer 128 euros. Voilà. Je dois quand même payer 128 euros. Je vais essayer de négocier. Quoi, négocier. Je vais essayer de payer tout ça. Voilà, je vais m'arranger pour payer tout ça. Et je dois aussi faire mon fournisseur. Voilà, je dois aussi payer mon fournisseur où j'en ai pour 230 euros, je crois. 230 euros, un truc comme ça. Il y a une toile d'araignée. Sérieux? Il y avait un fil de toile d'araignée. Mais elle est où l'araignée? J'ai paniqué. Elle est où l'araignée? Non, je suis pas très très paralysée par les araignées. Moi, je les vois, ça me dérange pas tant qu'elles se dirigent pas vers moi. Tant que je peux les écraser, ça va. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc la fatigue est un peu passée. Je pense que j'étais assez fatiguée avec la rage dedans. Ah non, mais. Ce film, il me perturbe. J'avais tout un. Pourtant, j'ai pas d'araignée, c'est bizarre. Et je le vois là, à la lumière du lampadaire, je veux dire. À la lumière de mon ampoule. Je vois des reflets sur le fil. Bon, il n'y a plus. J'ai enlevé tout. Donc voilà, donc en tout cas, faut que je commence le montage de ce vlog qui sera inintéressant au possible. Désolée, si vous le regardez, c'est gentil. Si vous ne le regardez pas, ben, je vous en voudrais pas. Je pense que ce vlog ne fera pas beaucoup de vues. Voilà, il n'est pas très intéressant. Je rappelle que pour ceux qui sont intéressés par le site lesfondantsparfumetdenanou.com, vous retrouvez toutes mes créations, vous retrouvez aussi les brûleurs, vous retrouvez aussi mon roman. Voilà, vous retrouvez tout sur le site. Vous retrouvez tout sur le site. Je rappelle qu'en ce moment, jusqu'au 23 novembre, vous avez les calendriers de l'Avent. Je vais mettre ici une vidéo de comment se comporte le calendrier de l'Avent. Je rappelle que le calendrier de l'Avent est dans une boîte cadeau blanche où il y a 24 petites boîtes craft avec les numéros à chercher. Voilà, vous cherchez toujours votre numéro. Et en fait, le 25e donc, est une tablette identique pour tout le monde, mais sinon le calendrier de l'Avent est différent pour tout le monde. Il n'y a que le 25e jour qui est identique pour tout le monde, voilà. Mais sinon, voilà, c'est vraiment. Si vous souhaitez. Il y a 5 gammes. Maintenant que je parle d'araignée, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me rend. Il y a 5 gammes, donc fruité, fleuri, gourmand, frais et parfums divers et variés. Et que dans chaque gamme, il y a 6 fragrances de Noël qui sont glissées au pif. Au pif, il n'y a aucun jour où ils auront le. Je n'ai pas fixé, genre je mettrai une fragrance de Noël le 1, 2, le 1, 5, 10, 15, 20. Non, je n'ai pas fixé ça. En gros, moi je mets tout. Je les fais à la commande, les calendriers de l'Avent. Je les fais à la commande. Et en gros, je prends les 5 fragrances de Noël, puisque la sixième est une tablette, donc la sixième est déjà préparée. Donc je prends les 5 fragrances de Noël que je vous ai montré dans le vlog d'hier. Donc il y a Magie de Noël, Souvenir de Noël, Chalet en Laponie, En attendant le Père Noël et Mon beau sapin. Voilà. Et en gros, je les mets dans des boîtes, dans les boîtes craft. Je les mets, voilà, je les mets de côté. Après, je mets tous les fondants que j'aurais choisis en fonction de la gamme demandée. Et après, je prends les numéros que je mets au pif sur les cases. Et après, j'essaye de dispatcher un peu les fragrances de Noël, quoi. Je ne mets pas deux fragrances de Noël de suite. J'essaye de dispatcher. Par contre, imaginons, vous avez deux gammes identiques.
ou même deux calendriers de l'Avent, vous prenez deux calendriers de l'Avent, même pas forcément de la même gamme. Mais imaginons, je fais pas attention et je mets une fragrance Noël le 5 dans un et une fragrance de Noël dans un autre le 5 aussi, mais ce sera pas forcément la même fragrance. Voilà. C'est juste que je fais au pif. Moi, je mets tout dans les boîtes et après, je fais pas attention, je mets les numéros. Comme ça, c'est la surprise, même pour moi. C'est pas moi qui l'ouvre, mais c'est la surprise pour tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de spoil, il ne peut pas avoir de spoil. Le seul spoil qu'il peut avoir, c'est la tablette du 25. De toute façon, si vous avez suivi mes odeurs de Noël, vous le savez, laquelle est la tablette du 25. Parce que j'ai dit toutes les fragrances que j'avais. Donc voilà. Hop là. Donc voilà, donc écoutez, donc je finis mes vidéos calendrier de l'Avent. Je finis mes vidéos, puis après, je sais pas. J'ai envie de me faire Shadow Hunter. Je vais vous faire chier avec ça. Hein. D'ailleurs, on m'a dit qu'il y avait un film Mortal Instruments qui était sorti. Quoi qu'il est sorti. Qui était pas récent, mais c'était exactement la même histoire. Donc peut-être je vais le regarder. Je vais regarder où je peux le trouver. Donc peut-être je le regarderai, mais après j'ai eu un peu peur, parce que comme je connais la série presque par cœur, je l'ai vu qu'une fois, mais je la connais presque par cœur. J'ai peur d'attendre trop du film, contrairement à la série. Donc je sais pas. Est-ce qu'il y a un couple Magnus Alec dans le film aussi? Est-ce que. Après, il y a le fait aussi que dans la série, les acteurs sont charmants et souvent ça fait tout le truc. Souvent ça fait tout le truc. Voilà. Donc je sais pas. Excusez-moi, j'ai ma montre qui arrête pas de me gêner. Voilà. J'ai un peu la tête qui tourne, j'avoue. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai la tête qui tourne, je suis fatiguée. Alors je suis pas malade. Je suis pas du tout malade. Mais je sais pas. Après, je suis pas spécialement fatiguée. Mais là, j'ai un petit étourdissement. C'est trop bizarre. Je sais pas comment ça se fait, pourquoi j'ai un petit étourdissement là, maintenant, tout de suite. Je comprends pas. Je comprends pas tout. C'est très bizarre. Très très bizarre. Les chiens sont carpettes. Melba est en mode garniture de sandwich. Voilà, on a un pain là, un pain en oreiller là, un pain en oreiller là, et on a la garniture au milieu. Et Muffin et Canel sont les quatre fers en l'air. Gros dodo. La garniture du sandwich, ça va? Elle adore se mettre sous les oreillers. Elle adore se mettre sous les oreillers. Je sais pas pourquoi. Hein. Elle se met toujours entre les oreillers. Elle adore ça. J'ai pas compris pourquoi. Muffin vient de se réveiller, il va venir faire câlin à maman. Viens faire câlin à maman. Ah, viens. Non. Ah, t'as réveillé Canel. T'as réveillé Melba. Donc voilà. Donc écoutez, je vais commencer à monter le vlog. Je finis mes vidéos calendrier de l'Avent et je reprendrai sûrement plus tard. À toutes. Il est 2h52 du matin. Je me sens hyper mal. J'ai la nausée. Voilà. Je me sens pas bien du tout. J'ai fini de monter le début du vlog. J'ajouterai cette partie, puis je le publierai sur YouTube pour qu'il sorte à 8h. J'ai mal aux dents, j'ai la nausée, je me sens pas bien du tout. Je peux plus prendre de médicaments en plus, parce que si je prends un médicament, là, je. Bon. Donc déjà, je vais prendre mon anti-nauséeux, anti-vomitif déjà. Que j'ai eu avec mon opération, donc ça fait 3 ans. Je trouve qu'ils sont périmés, mais bon, c'est pas grave. Je redemanderai à mon médecin. C'est radical, franchement, ils sont radicaux, ceux-là, radicaux. C'est des médicaments, des petits comprimés. Franchement, j'en avale un. 10 minutes plus tard, j'ai plus la nausée. Mais là, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne, plus la gerbe, donc c'est vraiment pas agréable. Je commence à vouloir baver, donc c'est pas bon. Quand je commence à hyper saliver, en général, c'est que soit je vais vomir, soit. Voilà. Sauf que moi, je ne peux plus vomir depuis l'opération. Donc, à part me faire très mal, c'est tout ce que ça fait. Ça me fait énormément mal d'avoir des haut-le-cœur. Donc, malheureusement. Mais là, je me sens vraiment pas bien. Donc voilà, donc écoutez, le vlog sera nul, pas long, pas intéressant, mais là, je me sens vraiment dans le mal.
Donc je le clôture ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!